Bonsoir à toutes et à tous. Si vous venez d'allumer la télé, c'est l'heure de votre émission numérique Malinov. À présent, suivons le sommaire et on se retrouve juste après. Une plateforme numérique de compétences des femmes leaders et membres d'associations à Mopti, Ségou, Sikasso et Bamako est le nouveau projet porté par Afar de Mali en collaboration avec le chapitre malien de l'Internet Society. Les détails à suivre. Les débats sur les réseaux sociaux font couler beaucoup de salive. Monsieur Mohamed Doumbia, fondateur de la structure Chessiri Business Corp, est l'invité de Malinov ce soir. Il nous guidera sur l'utilisation efficiente des réseaux sociaux. Les femmes en milieu rural évoluent généralement dans le secteur informel. Courageuses et dynamiques, beaucoup font de la transformation des produits locaux revendus après sur le marché. Toutefois, un outil peut leur aider dans ce business et c'est la raison de vivre de cette émission. Vous l'aurez bien deviné, il s'agit du numérique. Pour aider ces femmes, ISOC et Afar de Mali viennent de lancer une plateforme numérique dédiée à leurs compétences. Un pas vers leur pleine autonomisation. Les détails au contour de la plateforme en images. Le chapitre malien de l'Internet Society, ISOC Mali, est une organisation qui œuvre pour la promotion et la vulgarisation de l'Internet auprès des utilisateurs potentiels. Ainsi, dans l'accomplissement de ses missions, elle a noué un partenariat avec le groupe national malien de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, Afar Mali. Ce choix n'est pas anodin, au vu du caractère de plaidoyer pour l'égalité du genre et la promotion des droits des jeunes filles et femmes que prône l'association. La FARD, c'est la promotion d'une manière terre à terre, la promotion des compétences des femmes africaines à travers donc la recherche, la formation et le plaidoyer. Donc c'est une initiative de femmes intellectuelles qui veulent être ensemble avec les femmes à la base pour changer la société envers une plus grande égalité hommes-femmes. Ainsi, c'est dans l'enceinte de l'Agence des technologies, de l'information et de la communication que les deux organismes ont officialisé le lancement d'un projet commun, la plateforme numérique de compétences des femmes. Le lancement d'un tel outil, mûrement réfléchi, est parti de plusieurs constats. On avait un projet sur la gouvernance locale où on travaillait avec les femmes à la base, dans la gouvernance locale. Et nous avons décidé d'ouvrir un groupe WhatsApp pour qu'il y ait, et c'était les femmes leaders de plusieurs régions du pays, donc pour que ces femmes soient en contact permanent et que aussi elles puissent se vendre un peu sur la toile. Mais il y a eu une telle ruée sur cet outil plateforme. Et puis les femmes se sont tellement, et elles ont innové, elles ont aimé, que l'idée nous est venue que si nous pouvons les aider à mieux connaître l'outil Internet, à pouvoir même mieux manipuler au service de leurs besoins pratiques de production de richesses, mais aussi de leurs besoins stratégiques de femmes locales qui comptent dans le développement local, que ce serait un grand pas en avant. La plateforme est destinée à des femmes leaders et les membres de leur association et regroupement dans les localités de Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. On va payer des petits ordinateurs, des nano-PC, qu'on va configurer pour mettre à la disposition de ces femmes-là afin qu'elles puissent faire la promotion de leur activité quotidienne qu'elles mènent au sein de leur activité. Donc, ils vont mettre en place cet outil pour non seulement faire des vidéos, faire des photos de leur activité et faire justement la publication afin qu'elles soient vues de façon plus là où elles ne sont pas. Et ça va aussi faire la promotion de leur activité. Et derrière tout ça, il y a une autonomisation financière qui sera visée. À terme, les femmes seront dotées de savoir-faire technique à utiliser Internet ainsi que les mesures de protection sur les plateformes numériques et réseaux sociaux. Cette plateforme, c'est carrément une révolution pour ces femmes en zone rurale parce que déjà, ça va renforcer l'inclusion numérique. Ces femmes qui se sentent marginalisées, n'est-ce pas, qui n'ont aucune formation en numérique, qui n'ont même pas d'outils,
qui sont loin de tout, mais qui font des commerces extra, des petits commerces qui se débrouillent. La plateforme va les aider énormément à être formés et à mieux vendre leurs produits et leurs compétences. Ainsi, il en découlera, selon les porteurs du projet, des femmes qui font leur autopromotion. À noter que la mise en œuvre du projet s'étendra sur une période de 18 mois, notamment de septembre 2023 à février 2025. Dans divers secteurs d'activité, les entreprises ont aujourd'hui besoin de développement de logiciels propres à elles. Pour certaines entreprises, cela passe par la réalisation de sites et logiciels capables de gérer des projets à la fois complexes, fonctionnels et esthétiques pour les professionnels. Au regard de tout ce qui précède, l'équipe de Malinov vous présente ce soir la société Intellis, polyvalente et dynamique. Son credo, c'est donner vie aux idées et pas que. Je vous laisse découvrir l'entreprise. Intellis est une entreprise d'ingénierie et de services informatiques. Elle propose une panoplie de solutions à des entreprises, des particuliers et essaie de s'imposer comme un partenaire de choix pour la mise en place d'un écosystème digital rentable pour les entreprises. Son promoteur Abdraman Bachili l'a lancé avec des objectifs précis. Le parcours professionnel a fait que en fait, j'ai embrangé l'informatique qui est devenue par la suite une passion. Donc du coup, ma première expérience professionnelle a été au sein de Global Technology comme chargé de programme, une société, une des toutes premières sociétés d'informatique du Mali. Après, j'ai travaillé à Wikimali comme chargé de pôle formation. Wikimali est aussi une des premières sociétés de création de sites web. Et par la suite, j'ai entamé un cursus RN2 en informatique. Après avoir bouclé ce cursus, nous avons mis en place en 2012 la société Intellis, qui est une des sociétés d'informatique et de développement de web design domaine. Société singulière, Intellis développe ses propres solutions métiers en tenant compte des besoins et réalités de l'environnement immédiat de ses clients. Aujourd'hui, la société est axée sur deux produits phares. Alors on a JDE. JDE, ça veut dire Journal des Enchères, qui est un site web et une application qui sont associés. Et alors son rôle, c'est d'abord on a un côté déstockage et solderie qui a pour rôle d'aider toutes les sociétés de distribution et particuliers à écouler plus rapidement leur surstock et invendu. Et de l'autre côté, qui permet de donner et accès à la clientèle des produits moins chers et des produits de qualité et pouvoir nourrir leur famille sans pour autant, on va dire, déchirer leur portefeuille. Alors ensuite, nous avons Etiquette. Etiquette touche le monde de l'événementiel. Alors nous savons que le Mali est un pays de culture et nous organisons des milliers, des centaines d'événements par année. Alors Etiquette a pour rôle déjà pour les participants de leur donner accès à leurs événements sans pour autant, se fatiguer et avoir à faire une longue file. Et de l'autre part, pour les organisateurs d'événements, d'avoir, un dispositif qui leur permet de se concentrer sur leur événement essentiellement. Constitué d'une jeune et brillante équipe, Intellis, depuis sa création, développe des logiciels. Elle met en avant une valeur ajoutée, celle de faire un suivi de la sécurité de ses applications. Alors, pour ce qui en est de la sécurité des applications, bien sûr, parce que on fait des tests réguliers avant de mettre l'application à disposition des gens. On a des systèmes de checking qui vérifient en fait si la personne ou bien si on a affaire à des personnes, on a affaire à des bots. Sa vision est axée sur un Mali digitalisé, facilitant et améliorant l'expérience Internet, mais aussi un Mali avec plus de jeunes désireux de relever le défi de la digitalisation. Il faut voir déjà qu'un projet de développement informatique, c'est des grands projets d'investissement. Nous avions eu des grands projets avec l'État, nous sommes derrière de grands projets que nous avons réalisés pour le compte de l'État. Par rapport à Bamako, nous avons des grands comptes pour les grandes entreprises. La réalisation de ces projets avec ces structures nous ont permis d'avoir un temps d'avance. Mais j'avoue que depuis 2 ans, en fait, vous savez qu'au niveau de l'administration, au niveau de tout ce qui se passe, la commande publique a baissé en fait. Le Malien n'est pas encore assez connecté. On va dire que pour le moment, nous sommes encore sur TikTok, sur Facebook. Nous pensons encore que la technologie n'est réservée qu'aux réseaux sociaux en fait.
Et c'est très très compliqué parce que nous sommes attirés par tout ce qui est développé à l'extérieur. Mais lorsque ce sont des Maliens eux-mêmes qui développent des applications, on a assez du mal à aller vers ça. Alors on va dire que le marketing digital et le marketing traditionnel m'aident beaucoup dans ce domaine-là. Et le bouche à oreille. Comme j'ai dit, la culture malienne est aussi basée sur la parole. Donc nous essayons au maximum d'aller vers notre public. Ainsi, c'est un sens de l'aventure, du challenge, mais également du positif qui anime M. Bachili et son équipe. À noter qu'au-delà du Mali, l'entreprise a travaillé sur des projets en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso. Internet a complètement bouleversé le monde. Eh bien, en bien ou en mal, chacun y trouve son compte. Nous sommes désormais dans une société extrêmement connectée. Cependant, le débat sur l'impact de celle-ci se pose. Si certains y gagnent, beaucoup par contre trouvent qu'elle fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, nous allons tenter d'être fixés là-dessus avec un expert du digital. À tout de suite. Notre invité du jour est M. Mohamed Doumbia. Il est entrepreneur, il est le fondateur de la société Tchessiri Business Corp. Bonsoir M. Doumbia. Bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de Malinov, qui n'est pas votre première fois d'ailleurs. Effectivement, merci de me recevoir à nouveau. Aujourd'hui, comment se porte l'entreprise, vos activités, comment ça se passe? Écoutez, pas mal, ça tombe bien qu'on parle de digital parce que, comme je l'ai dit la dernière fois quand je présentais Tchessiri, c'est une structure d'accompagnement, de facilitation. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, on voit la nécessité de faire un pivot vers tout ce qui est digital et surtout en termes de formation. Je pense que ça, c'est des axes qu'on va explorer dans les mois à venir, créer vraiment des cadres plus spécifiques à l'expansion du digital au Mali. En parlant de digital, vous êtes très, très digital parce qu'au-delà de Tchessiri, vous êtes consultant en investissement digital et communication. Vous vous définissez quand même comme un évangéliste de la tech et de l'intelligence artificielle. Là, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, le débat sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup parler en fait. Est-ce qu'un autre R aujourd'hui, au vu de l'utilisation qui en est faite, est-ce que c'est plus d'avantages ou plus d'inconvénients? Écoutez, je vais parler de façon très, très métaphorique et peut-être vous ramener très, très loin dans l'histoire. Mmh. Est-ce que peut-être les gens qui ont découvert les objets tranchants ou le couteau pour la première fois devaient se poser cette question? Est-ce que c'est utile ou est-ce que ça ne l'est pas? Okay. Vous voyez qu'il y aura forcément ceux qui pensent que le couteau, c'est peut-être un outil qui peut servir à nuire à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Mais de l'autre côté, le couteau nous sert aujourd'hui à couper nos aliments et à nous nourrir dans une certaine mesure ou à faire des petits travaux à la maison qui sont essentiels. Donc la question... Je pense qu'elle n'est pas utile. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est l'utilisation qu'on fait de ces outils-là. L'outil est déjà là. C'est quelque chose qu'on utilise déjà. Donc la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait réellement? Comment faire en sorte qu'on l'utilise de la bonne façon? D'accord. Alors justement, je pense que beaucoup de personnes, peut-être, ne seront pas d'avis avec vous. On a interrogé plusieurs personnes sur la question, ingénieurs, informaticiens, des jeunes qui utilisent au quotidien. On va écouter leurs réponses et on revient juste après. Moi, je suis pour les réseaux sociaux. Parce que c'est un outil, on peut se servir de ça pour s'enrichir, pour apprendre à s'éduquer, à faire beaucoup de choses, à s'informer quant aux actualités des autres contrées. C'est quelque chose qui doit être juste contrôlé, quoi. Il ne faut pas qu'on laisse les gens y aller n'importe comment. Ça doit être réglementé. Comme en Chine, c'est réglementé. C'est-à-dire qu'on ouvre les réseaux sociaux pour les enfants, pour qu'ils puissent voir les contenus éducatifs. Voilà, donc je pense qu'on doit aller dans ce sens. Un État doit être fort quant à l'avenir de ses enfants. On sait très bien et on est conscient des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. Mais quand on prend et qu'on le contextualise dans la situation de notre pays, on remarque que en fait, les Maliens n'ont pas compris. Je ne dis pas tous les Maliens, mais si on prend 75 à 80%, ils n'ont pas compris le bon côté ou l'usage efficient des réseaux sociaux. Et quand moi je vois les gens, si je suis dans TikTok ou quand je vois au cours des échanges les gens dire que TikTok c'est pas intéressant, TikTok c'est pas intéressant, je ne suis pas du même avis. Parce que moi personnellement, TikTok m'a beaucoup formé et TikTok m'a fait apprendre beaucoup de choses. Pour TikTok, je pense que le mal a pris le dessus, en quelque sorte, si je peux me permettre de dire. Donc, il faut des mesures appropriées, telles que ces censures-là. Il faut aussi
que l'utilisation aussi soit limitée et que des contenus aussi soient vérifiés. Et pour Facebook, je pense également la même chose et prendre des mesures pour que les contenus qui soient, que ce soit publié sur Facebook ou TikTok, soient surveillés et également penser à l'utilisation du côté des jeunes, prévoir même des versions jeunes comme ça s'est fait en Chine et autres. Je pense que les réseaux sociaux c'est un couteau à double tranchant. Du côté néfaste, c'est un lieu de déprivation des mœurs parce que les jeunes ils postent des photos un peu dénudées, donc ils ne savent pas que ces photos dénudées peuvent les nuire dans l'avenir. À titre d'exemple, pour ceux qui vont opter pour une carrière politique étant plus âgés, donc ces photos pourront surgir et leur porter préjudice. Mais du côté, moi quand même, je pense que c'est une bonne chose parce que les réseaux sociaux donnent l'occasion du e-learning, ce qui veut dire apprendre en ligne, et du e-commerce. Donc faire des ventes en ligne. Le e-learning, il est extrêmement important parce qu'on peut rester au Mali et suivre des cours des instructeurs de n'importe quel pays. Donc je pense que les réseaux sociaux, en termes d'avantages quand même, les avantages, on ne peut même pas les citer. Alors Monsieur Doumbia, on vient d'écouter les différentes réactions. Pour vous, le débat, normalement, la question qui doit être posée, c'est l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux. Et par deux fois, TikTok est revenu, il y en a qui parlent de ça a pris le dessus. Il y a une autre qui défend que non, TikTok, elle a beaucoup appris avec. Alors, pour vous, quelle est l'utilisation qu'on doit en faire? Ça dépend tout un chacun. Ça dépend de ce que l'on fait au quotidien, de nos ambitions, de ce qu'on cherche à atteindre sur le plan professionnel. Il y a une des intervenantes qui a évoqué le e-learning, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, l'attention des gens est très, très limitée. C'est pour ça que les développeurs de contenu, les créateurs de contenu vont faire des contenus plus en plus courts. D'où le succès de TikTok, d'ailleurs. Et ça, même ceux qui génèrent du contenu éducatif l'ont compris. Donc, apprendre aujourd'hui sur TikTok est beaucoup plus pratique pour certains que d'aller suivre des vidéos YouTube, par exemple, qui durent plus de 20 minutes à 30 minutes. Donc, vous voyez que le type d'utilisation peut vraiment varier. Il y a d'autres qui vont s'informer sur les problèmes sociaux, d'autres c'est des informations de titre général. Donc il y a beaucoup plus d'utilisation possible pour ces réseaux sociaux-là aujourd'hui. Donc c'est très subjectif comme question, comment utiliser, mais il faut qu'on aille vers une utilisation, on va dire, entre guillemets, positive. D'accord. Simplement. Donc quand vous dites d'utilisation positive, parce que quand on prend TikTok, il y a une interface, il y a des vidéos qu'on fait. Par exemple, pour une personne qui est amateur, hein, qui débute sur les réseaux sociaux, qui va sur cette plateforme, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour vraiment retrouver des contenus éducatifs sur la plateforme? C'est très simple. À chaque nouvelle application que vous installez, on vous demande à peu près les contenus, le type de contenu que vous aimez. À partir de là, on commence à déterminer votre profil de consommateur. On génère un peu un profil de consommateur de l'application. Donc là, choisissez vraiment les thématiques qui vous sont essentielles, qui vous sont chères, les thématiques que vous recherchez. Parce que TikTok va géographiquement, parce que vous êtes au Mali, ils vont commencer à vous proposer les contenus les plus viraux au Mali. Donc ça peut être les vidéos à caractère, qui ont des caractères un peu négatifs ou autres. Mais si vous décidez que vous n'aimez pas ce type de vidéos et que vous scrollez, ils vont vous les proposer de moins en moins. Et vous proposer de plus en plus de contenus sur lesquels vous durez, en fait. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Donc c'est à nous de décider quelle est l'expérience de consommateur qu'on veut faire de ces applications-là. Alors, au-delà du caractère éducatif que peuvent porter ces réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont portés sur le fait que c'est plutôt mauvais. Quand on prend les cas de censure qui pèsent sur TikTok, TikTok est censuré dans plusieurs pays. Je rappelle qu'il y a même des pays africains, au Sénégal à côté. TikTok est censuré, mais la population utilise un VPN pour pouvoir l'utiliser. Quand on prend l'exemple de Meta, récemment, il y a 41 États américains qui ont porté plainte contre Meta. Ils disent que ces plateformes sont nuisibles contre les adolescents, pour les adolescents. Une plateforme qui est un produit américain, qui finalement, des parents américains décident de porter plainte. Alors, est-ce que vous êtes encore d'accord avec le fait que l'utilisation, le fait que est-ce que ça a plus d'avantages ou d'inconvénients, ce débat ne doit pas se poser? Oui, je pense que ces sénateurs, voilà, qui étaient des deux camps, c'était des républicains et des démocrates, se sont basés sur les résultats d'une série d'enquêtes. Donc là encore, ça va dépendre du type d'échantillon qu'ils ont pris. Et si vous allez voir des jeunes qui créent du contenu, qui se font de l'argent avec ce contenu-là, vous n'aurez pas les mêmes réponses que si vous allez voir des jeunes qui n'ont pas d'emploi, et voilà, qui ne sont pas scolarisés et qui passent leur temps sur Facebook. Vous aurez carrément vraiment des résultats assez contradictoires. Donc si on doit faire ce type d'enquête-là aujourd'hui, il faut s'assurer que l'échantillon ne soit pas biaisé à la base, qu'on ait un
un peu une représentation des utilisations, différentes utilisations qui sont faites de ces réseaux sociaux-là. Mais je comprends et j'entends ce message-là, parce que pour quelqu'un qui n'a pas d'autres activités, qui passe son temps sur les réseaux sociaux, ça nuit et à la santé mentale et à la santé physique. Et je reviens à la question de la validation sociale. Malheureusement, de plus en plus de personnes lient leur validation sociale au nombre de likes ou au nombre de partages qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Il faut que nous, êtres humains, qu'on sache déjà qu'on a une valeur en dehors des réseaux sociaux et qu'on sache reconnaître cette valeur-là de nous-mêmes, par nous-mêmes, et que ce ne soit pas relié directement à ce que les autres pensent de nous, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, qu'on sache s'apprécier sans que cela ne passe par les commentaires. Les réseaux sociaux, et vous avez parlé d'un point qui est très important, vous avez parlé des jeunes qui se font de l'argent dessus. Effectivement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui gagnent beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, qui en vivent très bien d'ailleurs, mais il y en a d'autres qui ne gagnent pas beaucoup. Ouais. Alors, est-ce que, parce qu'on sait notamment qu'il y a des pays où c'est monétisé et d'autres non. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces processus de monétisation, notamment sur les réseaux sociaux ? Oui, déjà, le fait que ce soit monétisé dans d'autres pays et d'autres non, je pense que c'est un peu plus lié à la bancarisation de certains pays. Mais je pense qu'il y a toujours des contours que les gens peuvent faire. Mais on va revenir à la monétisation pure et simple. Et par exemple, pour Facebook, ou même pour YouTube, je pense que les comptes sont monétisés à partir d'un certain nombre de vues, et c'est vraiment en fonction du nombre de vues et du nombre de clics qui est fait sur les différentes publicités qui sont générées. Je pense que c'est dans l'ordre de 0,01 à 0,03 $ par nombre de vues, d'accord, par exemple. Mais par contre, pour TikTok, c'est un peu plus différent. Il y a d'autres volets. On le voit très souvent aujourd'hui maintenant avec les lives, où il y a des fans qui suivent les lives, qui donnent des cadeaux aux gens qui font ces lives-là. Et ces cadeaux-là aussi sont monnayés après, auprès de TikTok, parce que chaque cadeau représente un certain nombre de pièces TikTok, en fait, qui sont après échangées. J'ai déjà vu un exemple où on dit que la pièce Lyon correspond à 300 000 francs CFA. À 300 $, plus de 300 $, 387 $ par là, en fait. Donc, je pense qu'une centaine de pièces équivaut à 1,29 $. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et je pense que la pièce Lyon, elle est autour de 29 900 et quelques pièces. D'accord. Donc, le cadeau Lyon est à ce niveau-là. Au regard de tout ce qui se dit, quand on rassemble un peu ceux qui sont pour, parce que nous, on est pour. On est dans une émission numérique et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un monde sans numérique. Ce n'est pas possible. Internet, on est interconnecté. Et comme vous l'avez dit, il y a l'utilisation qu'on en fait. Mais aujourd'hui, quand on prend, il y a aussi une majeure partie de la population aussi qui est complètement contre ces réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quel effet pourrait avoir un Mali sans réseaux sociaux ? Je pense que les gens ne sont pas contre les réseaux sociaux. Ils sont contre le type de contenu qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Sinon, personne n'est contre le fait de pouvoir communiquer avec sa famille, qui est à des milliers de kilomètres. Avant, on devait aller dans les cabines pour téléphoner. Aujourd'hui, on peut voir un membre de notre famille qui est ailleurs, juste grâce à ces réseaux sociaux-là. Alors, donc, je vous assure qu'il y a des personnes complètement radicales qui sont contre les réseaux sociaux. Elles pensent être contre les réseaux sociaux et vous pensez qu'elles sont contre les réseaux sociaux, mais c'est plutôt contre le type de contenu qu'elles voient et les effets négatifs de ces contenus-là. Donc, on doit être sur comment vraiment assainir cet environnement-là de consommation de contenu sur les réseaux sociaux et faire cette éducation-là, cette communication-là pour que les gens aillent vers des contenus un peu plus ou beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif pour eux, en fait. Vous êtes également le cofondateur de Immersia, où vous œuvrez un peu quand même pour qu'il y ait une certaine régulation de l'intelligence artificielle, qui fait d'ailleurs débat partout dans le monde aujourd'hui. Donc, est-ce que, quand adapté au contexte malien, quand on voit l'IA, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs l'utilisent au quotidien, beaucoup de personnes l'utilisent au quotidien. Donc, comment est-ce que vous militez un peu pour cette cause que vous défendez ? C'est à travers la sensibilisation et la formation que les gens comprennent déjà le concept de données, comment ces données-là sont utilisées pour nous proposer ce type de contenu qui nous rend un peu vraiment accro aux réseaux sociaux, et tout, que les gens comprennent le principe déjà, le mécanisme qui est fait, à savoir déjà de quoi il s'agit réellement et savoir comment utiliser, comment préserver ces données personnelles et comment avoir une expérience d'utilisateur un peu plus efficace et efficiente. Donc, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, notamment sur les questions de données, sur l'IA, même les concepts clés de l'IA, et sur comment aussi ces GAFA, toutes ces grandes entreprises utilisent l'IA pour développer leurs algorithmes et puis nous rendre un peu plus, beaucoup plus accro à leurs outils. D'accord. Alors, on va partir sur les mots de M. Doumbia.
on nous rend beaucoup plus accro, mais c'est à nous de savoir quelle utilisation on fait des réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Doumbia, de préciser aux gens comment est-ce qu'ils doivent utiliser les réseaux sociaux. Je rappelle que vous êtes Mohamed Doumbia, vous êtes entrepreneur, promoteur de Chesley Business Corp, consultant en investissement digital et communication. Merci beaucoup. Merci à vous. On est tous d'accord que le chatbot star de l'année 2023 est ChatGPT. Même s'il y a beaucoup de débats autour de la maîtrise et surtout la régularisation de l'intelligence artificielle, ce sont des outils qui aident plus d'un au quotidien. ChatGPT possède une version payante qui bénéficie en avant-première de toutes les nouveautés de l'IA. Cette version, c'est ChatGPT+. La version payante s'est vue intégrer deux nouvelles fonctionnalités. En premier, l'IA sait maintenant analyser vos fichiers extérieurs. L'intelligence artificielle pourra les télécharger directement sur l'interface. Ça peut être des documents PDF, fichiers texte, etc. Une fois mis en ligne, ChatGPT pourra ensuite analyser et traiter les données qui s'y trouvent et derrière répondre aux demandes de l'utilisateur en rapport avec le dit fichier. Ensuite, ChatGPT résumera les données intégrées au chatbot ou obtiendra des réponses basées sur ces mêmes données. Ainsi, l'intelligence artificielle détectera automatiquement quel outil vous allez utiliser. La deuxième fonctionnalité est le changement automatique entre les différents modes du chatbot. Auparavant, il fallait, après saisie, choisir selon quel mode la demande serait traitée. Avec les changements apportés, l'intelligence artificielle comprend à partir du prompt quel mode doit être utilisé sans intervention humaine. Au final, les utilisateurs de ChatGPT sont les plus heureux. Quand vous êtes parmi vos amis, il y a toujours ces gens qui dessinent. Ils donnent envie à plein de personnes de vouloir faire pareil, surtout si vous faites partie d'une communauté de geeks ou d'otaku. Pour l'astuce tech du jour, Babi nous demande que votre téléphone peut faire de vous un bon dessinateur ou encore, il vous donne les bases. Peut-être avec ça, vous vous améliorerez, que vous soyez débutant ou amateur. On découvre ça tout de suite dans l'astuce. La première étape pour acquérir votre super pouvoir d'expérience dessin est de vous rendre dans le store et de télécharger l'application AirDrawing. Une fois fait, ouvrez l'application. À l'intérieur, vous aurez plusieurs informations avec un onglet photo et texte. Vous pouvez importer alors des images que vous souhaitez dessiner ou encore générer une image que vous avez imaginée avec une intelligence artificielle. L'application est surtout là pour vous appuyer en matière de dessin. Vous allez alors mettre le croquis que vous souhaitez reproduire en opacité réduite et personnalisable afin de dessiner comme un pro. Un système de calque sans calqueur pour un terme plus facile. En soi, la prise en main et l'utilisation sont faciles, de quoi vous donner un bon coup d'élan dans vos conceptions. Petit bonus de fin, l'application a aussi un coin pour vous donner des cours de dessin, que ce soit en ombrage, en esquisse et tout autre concept touchant l'univers du dessin. Il vous suffira de choisir le niveau qui vous est propre. PS, l'application possède une partie payante, car une telle invention se doit quand même d'être rentabilisée. Il faut bien que les développeurs vivent de leur métier et idées, mais la partie gratuite est amplement assez vaste pour vous aider dans votre montée en puissance en dessin. Tout en espérant voir vos œuvres et vos progrès dans les prochains concours de festival Otaku Geek et peut-être même les voir gagner, on ne sait jamais, c'est ici que nous vous laissons. Bon courage, bonne progression et à bientôt pour d'autres tutos. Ainsi prend fin ce numéro 92 de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi pour votre constante fidélité. Restez scotchés sur TM1, la télé qui vous allume.